plutôt collectionneur. Un livre que j'ai aimé, j'ai envie de le relire. Donc j'ai une bibliothèque à la maison. Je fais souvent un tri sélectif parce que j'ai pas trop de place. Donc je me garde vraiment que ceux dont je suis sûr qu'un jour ou l'autre j'aurai envie de les relire. Il y en a beaucoup, beaucoup des préférés. Elles sont toutes. En fait, l'âme de la librairie, c'est le libraire. Donc, il y en a une particulièrement que j'aime beaucoup, c'est 47 degrés nord à Mulhouse. Parce que Frédéric, le libraire, c'est un type merveilleux qui arrive à passionner les gens pour la lecture. Mais il y en a plein d'autres. Je ne veux pas froisser. Il y a Lydie Zanini à Bourg-en-Bresse avec la librairie du théâtre. Bon, maintenant, c'est sa fille, mais c'est des gens merveilleux, formidables et qui donnent leur vie au livre. C'est incroyable. Candide, parce qu'il lui arrive une aventure extraordinaire qui le fait voyager à travers le monde jusqu'à ce qu'à l'arrivée, il se rende compte que finalement, le bonheur, il peut être au pied de chez soi. On n'est pas obligé de partir loin pour trouver le bonheur. Et ça me plaît bien. Quelques-uns, oui, bien sûr. Sur les salons, quand je fais connaissance avec des auteurs, souvent on s'échange nos livres, on s'achète nos livres et ben forcément on demande une petite dédicace. Mais je ne suis pas un fanatique de la dédicace, moi ce qui m'intéresse c'est la rencontre. Je ne serai pas collectionneur de dédicace, c'est vraiment pas mon truc. En général ils finissent plutôt dans un bon état. J'ai tendance à sacraliser quand même l'objet livre parce que de mon éducation, quand j'étais enfant, mes parents achetaient des livres, ils n'étaient pas très fortunés. Et ils s'endettaient pour certaines collections. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Il y avait tout l'univers, c'était une collection de 21 volumes, ça valait assez cher. Et les familles prenaient des crédits sur 10 mois, 12 mois pour acheter ces livres. Donc pour moi, le livre a toujours une certaine valeur. Je ne conçois pas facilement que l'on puisse jeter des livres.